me ade no inia anja ide ateyo 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 balancez, balancez, balancez le yakoto avec Fouet Danse. Fouet Danse, Fouet Danse. Mon fouet. On fait alliance, on fait ce nouveau alliance. On fait alliance, mais non, nous reste alliance. Quand on fait l'alliance, on fait jamais, jamais les histoires. La guerre de la Côte d'Ivoire n'est pas pour les ouais et les sénoufos, ni pour les frères Yakuba. Ensemble, serons la Côte d'Ivoire pour nos enfants. Et donnons-nous la main pour vivre ensemble.
Samedi 20 septembre 2014, nous sommes ici au siège provisoire du FPI, entendez, Front Populaire Ivoirien, aussi ex-QG de campagne du président Laurent Gbagbo, Abidjan, à Touban. C'est un jour exceptionnel pour les militants et sympathisants du Front Populaire Ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo. Ils ont fait le déplacement au grand complet. Les militants de base, les instances de base, les fédéraux, les sections, les secrétaires nationaux, les organes de direction. Tous ont répondu présents à l'invitation du président Affin Guessan pour célébrer l'installation de la 12e vice-présidente du FPI, Mme Marthe Amon-Ago, qui aura la lourde responsabilité de coordonner désormais toutes les actions devant concourir à la libération du président Laurent Gbagbo, détenu bien entendu depuis le 29 novembre 2011 à la prison de Scheveningen, nous sommes à La Haye, poursuivi par la CPI, la Cour pénale internationale. Elle est en place. Le service protocole va se charger de tenir le siège. Merci. Et camarade président, vous avez la parole. Camarades membres de la direction du Front Populaire Ivoirien, honorables invités, je vais procéder maintenant à la remise de la lettre de mission de la camarade Amon Ago Marthe, vice-présidente chargée de la coordination des actions pour la libération du président Laurent Gbagbo, et en même temps procéder à son installation symbolique. Chers camarades Ago Marthe, en vertu des pouvoirs que les militants du Front Populaire Ivoirien m'ont conféré, j'étais désigné vice-présidente chargée de coordonner toutes les actions en vue de la libération très très prochaine du président Laurent Gbagbo. Je vais ici te remettre ta lettre de mission et procéder à ton installation. La mission qui t'est conférée est déclinée dans le document contenu dans ce parapheur. Je crois que dans ton intervention, certainement que tu déclineras ce contenu de cette mission. Je vais donc te le remettre en te souhaitant d'en prendre une connaissance approfondie et d'agir conformément à cette vision. Voilà. Président du Front Populaire Ivoirien, camarade membre de la direction du Front Populaire Ivoirien, camarade membre du comité de contrôle, monsieur le ministre Akembo et tous ses ministres présents, mesdames et messieurs, messieurs et mesdames les ambassadeurs et ou représentants des organisations internationales, si elles sont là parce qu'elles ont été invitées, Papa Bernard Dadier, j'ai du mal à dire Monsieur Bernard Dadier, c'est mon papa Bernard Dadier, mon doyen Bernard Dadier. Je te salue encore. Toi le Siméon, il va attendre la libération de la Côte d'Ivoire avant de partir. C'est ça. Honorable chef traditionnel,
le micro, ça va maintenant. Honorable chef traditionnel. Mesdames et messieurs les membres des organisations et mouvements politiques, mesdames et messieurs les responsables des syndicats, des dirigeants des organisations de la société civile, camarades militantes, militants, sympathisants du Front populaire ivoirien, mesdames et messieurs, chers parents, oui, mes parents sont ici aujourd'hui, et amis, je vous salue. Je salue cette présence massive et distinguée pour la cause et le soutien du combat du président de Laurent Gbagbo, symbole achevé d'une Côte d'Ivoire digne et souveraine. En réponse aux nombreuses interrogations et propos divers entendus ça et là au sujet de ma nomination au poste de 12e vice-présidente chargée de la coordination des actions pour la libération de Laurent Gbagbo, je voudrais, avec votre indulgence pour la vocalise, chanter ce cantique. Viens faire ta volonté ici en Côte d'Ivoire et partout tu voudras. Oui, chers parents et amis, camarades militants, militantes, sympathisants et adversaires politiques, cessons nos supputations. Car je crois fermement que c'est Dieu lui-même qui, dans sa sainte souveraineté, a inspiré le président du Front populaire, Pascal Affine-Descent, de me confier cette charge et de procéder en ce jour mémorable à une installation solennelle. En occultant de cette nomination qui manifestement porte les marques de la main divine, qui peut, sinon Dieu, libérer le président Laurent Gbagbo de ce goulag? Goulag conçu pour punir tous ceux qui touchent aux intérêts des oligarchies financières, industrielles et commerciales, comme stipulé, écoutez bien, dans la charte de l'impérialisme, à son article 7, et je cite, « Tout pouvoir, c'est ce qu'ils ont écrit, hein, les blancs, tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité, il doit disparaître. » Fin de citation. Heureusement, dans le cas de la Côte d'Ivoire, malgré la volonté d'anéantissement manifestée par l'adversaire, Dieu lui-même s'est opposé en épargnant la vie du président Laurent Gbagbo. Nous signifiant ainsi que lui, Dieu, il délivre le faible des mains des plus forts, pourvu que nous mettions en lui notre confiance. Faut-il cependant croiser les bras et attendre l'intervention de Dieu? Non, car si Dieu nous a créés sans notre avis, il ne nous sauve jamais sans notre contribution, aussi modeste soit-elle. Alors, qu'allons-nous faire? J'ai mes petites idées et après je vais vous lire la lettre de mission du président. Deux actes majeurs vont conduire notre démarche. Premièrement, créer un cadre de concertation, d'exhortation mutuelle et de solidarité pour tous les acteurs, les promoteurs et les soutiens de la cause de Laurent Gbagbo. Deuxièmement, élaborer un code de conduite pour harmoniser les diverses actions menées ici et ailleurs pour la libération de Laurent Gbagbo. Ensuite, s'agissant de la méthode, la coordination que je vais diriger, ce vœu, sel et lumière. C'est notre symbole. Sel, parce que la coordination devra laisser intacte l'autonomie des organisations ou des personnes qui œuvrent pour la libération de Laurent Gbagbo. Notre rôle sera d'apporter l'onction du camarade président Laurent Gbagbo par le biais de son parti politique, le Front populaire ivoirien, dont il est le membre fondateur. En effet, le sel se contente de donner la saveur aux aliments dans le processus de la cuisson alimentaire. Le sel n'absorbe pas les aliments. Lumière, parce qu'il s'agira d'éclairer les uns et les autres sur la nature du combat politique de Laurent Gbagbo afin de ne pas se tromper sur le type d'action à mener pour sa libération. En le disant,
Je me souviens de cette anecdote où un monsieur, en lutte pour recouvrer sa dignité, a été terrassé par ses adversaires très nombreux qui l'ont fait prisonnier. Son épouse, soucieuse de le faire libérer à tout prix, s'est compromise dans des relations très intimes avec ses adversaires et réussit ainsi à le sortir de prison. Imaginons le chagrin de cet homme lorsqu'il aura été instruit des conditions dans lesquelles il a été libéré. Aura-t-il atteint ainsi l'objectif de son combat pour sa dignité? Assurément non. Pour le président Laurent Gbagbo, à nos abstenants de poser des actes susceptibles de dévoyer son combat pour lequel il a sacrifié toute sa vie. La coordination dont j'ai la charge se veut un creuset de rassemblement de dignes fils et filles de Côte d'Ivoire et d'Afrique, de tous les citoyens du monde épris de justice et d'amour et qui, de ce fait, aspire à une paix bâtie sur le respect du droit et la dignité de l'être humain, quelle que soit sa couleur, ses origines. C'est pourquoi nous saluons avec vive acclamation cette idée du président du Fonds populaire ivoirien de créer une structure de coordination des actions. Donc, vous souhaitez l'idée qu'il a eue. Oui, clamons-le haut et fort. La libération de Laurent Gbagbo va bien au-delà de la justice que nous réclamons pour un homme innocent. Le contexte des crimes commis à lui reprocher, la manière dont il a été arrêté et conduit à la CPI, pose le problème des traitements dégradants, humiliants, que les puissances impérialistes ont infligés par le passé à des êtres humains dans leurs colonies et qu'aujourd'hui encore, ils récidivent dans nos pays. Certes, hier, nous étions animistes. Mais aujourd'hui, nous sommes nombreux à croire au Dieu unique révélé dans les Saintes Écritures et qui proclame que son trône, son règne est fondé sur le droit et la justice. Aussi, sommes-nous décidés à nous donner les moyens de bâtir nos nations sur le respect scrupuleux du droit et de la bonne pratique de la justice. Dans la foi, l'union, le courage et la persévérance, nous viendrons à bout de cette nébuleuse qui, en usant de tromperies pour aveugler son peuple sur la réalité des événements de notre pays, a échafaudé des châteaux de mensonges contre le président Laurent Gbagbo, ce digne fils de Côte d'Ivoire. À celui qui croit et aime, il n'y a rien d'impossible. Ivoirien, Ivoirien, chers compatriotes, en avant pour la victoire. Camarade président Affine Dessan, merci d'avoir sonné la trompette du rassemblement autour de Laurent Gbagbo, qui demeure notre unique leader. Pour cela, moi aussi, permets-moi de te dire, de te présenter ce que j'ai choisi, les principaux, parce qu'il y a beaucoup de droits, beaucoup de membres, mais les principaux responsables que je les appelle ici pour te les présenter. Et c'est en leur présence que je lirai ma lettre de mission. Directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Camarade Bedi Oli, que j'appelle ici. Directeur de cabinet adjoint. Camarade Aboulé Allo Jean-Fidèle. Chef de cabinet. Quoi, le camarade quoi, Justin? Chef de cabinet adjoint. Chef de cabinet adjoint, le camarade Aguédé Paulin.
maintenant, nous passons au cabinet technique, cellule de coordination des actions politiques et juridiques. Responsable, V. Émile, honorable V. Émile, c'est un député. Le deuxième responsable, camarade Vincent Sonzaï. Il était sous forme, j'espère qu'il a pu le dire. Dépêche-toi. Le deuxième responsable, le camarade Amon Régis. Troisième cellule. La cellule chargée des relations avec les organisations de lutte et de soutien pour la libération de Laurent Gbagbo. Le camarade Gou Luc. Un ancien parigo, il va nous aider à gérer ceux de la diaspora. Deuxième responsable, la camarade Okoli Mbra. Okali, pardon. Okali Mbra. Colette. Quatrième cellule, cellule de mobilisation et propagande des actions pour la libération de Laurent Gbagbo, l'honorable Wayou Claude, que j'appelle intimement mon grand frère. La cinquième cellule, c'est celle chargée de la documentation et de l'archivage. Le camarade Porqué Jacques Désiré. Deuxième, l'Orunion Aristide, Alain Aristide, l'Orunion Alain Aristide. Il est là. Madame la Présidente, voici les principaux responsables. Et nous allons inviter, après nous avons déjà pas mal de personnes qui nous ont demandé à rentrer dans toutes ces cellules pour travailler. Beaucoup de bénévoles, Président, croyez-moi, votre idée est bonne. Maintenant, chers collègues, chers collaborateurs, voici la lettre de mission du Président du Fonds populaire ivoirien. L'action et la détention à la haie du Président Laurent Gbagbo est vécue comme un véritable drame pour les militants et sympathisants du Fonds populaire ivoirien, par les Ivoiriens, les démocrates, et toutes les personnes éprises de liberté, de justice et de paix de par le monde. Depuis lors, le monde entier se mobilise à travers une diversité d'actions pour exiger sa libération. Afin de fédérer ces initiatives et de leur conférer une plus grande efficacité, le président du Fonds populaire ivoirien a décidé de créer un poste de vice-président chargé de la coordination des actions pour la libération du président Laurent Gbagbo. Camarade, le Front populaire ivoirien te félicite vivement pour le choix qui a été porté sur ta personne pour animer cette structure. J'attends en retour, c'est le président qui parlait, que tu assumes cette charge avec responsabilité, dévouement et engagement. Ta mission consiste, premièrement, élaborer un document cadre portant sur les stratégies pour la libération du président Laurent Gbagbo et suivre sa mise en œuvre. Deuxièmement, coordonner les actions initiées par les mouvements, associations et personnalités qui œuvrent à la libération de Laurent Gbagbo. Troisièmement, soutenir toutes les actions politiques, diplomatiques et judiciaires devant permettre la libération du président Laurent Gbagbo. Quatrièmement, et avant dernier, assurer la promotion de l'image du président Laurent Gbagbo par des campagnes de communication, de lobbying et de mobilisation, aussi bien au plan national qu'international. Cinquièmement, c'est le dernier point, proposer au président du parti toute initiative
jugée nécessaire à la libération du président Laurent Gbagbo. Vous avez tous entendu, il dit de lui proposer des initiatives. Bonsoir, camarades, vice-président, mes cordiales et militantes, salutations. Elle va maintenant rejoindre les membres de son cabinet qu'elle va féliciter. On t'a rêvé, on sait qui t'a rêvé, on sait. Oudi, oh, Oudi, c'est pour, c'est pour. Quelqu'un qui a mis en ordi là-bas de plus. Il fait quoi là-bas? On veut voir Gbagbo, président des Ivoiriens. On veut voir Gbagbo, le fils du pays, à son diamant, à son diamant. Où dit-on, où à son diamant, à son diamant. Les Ivoiriens des blancs, à Tarantouao, libéré Gbagbo. Président des Ivoiriens, à Tarantouao, libéré Gbagbo. Notons que Madame Marthe Amoago fut première vice-présidente du Parlement ivoirien. Elle est secrétaire générale du CNRD et actuelle 12e vice-présidente du parti FPI. Devenue désormais figure de proue du parti qui a fait de la libération de leur champion leur seule condition pour le retour à une Côte d'Ivoire normalisée, ne sera pas seule à accomplir cette mission. Combien de fois difficile, après plus de 3 ans de revendications sans succès des partisans de Laurent Gbagbo. Ici, le premier responsable du FPI, M. Pascal Avinkissan, rassure Marthe Amoago et son équipe. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques, et je voudrais saluer à ce titre tout particulièrement la présence de Madame Edith Oyunu, qui représente ici la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Excellences, Monsieur le Premier ministre Akimbo, Mesdames et Messieurs les ministres, chers doyens Dadier Bernard, président du CNRD, Mesdames et Messieurs les leaders et présidents des partis politiques, Mesdames et Messieurs les responsables syndicaux et des organisations non gouvernementales, honorables chefs traditionnels et religieux, camarades membres de la direction du Front populaire ivoirien, camarades présidents par intérim du comité de contrôle et camarades membres du comité de contrôle, camarades militants, amis et parents du président Laurent Gbagbo, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que nous saluons votre présence nombreuse et distinguée à cette cérémonie que le Front populaire ivoirien souhaite historique par l'ambition qu'il apporte
et par les résultats qu'il en attend. La consécration d'une volonté et d'une aspiration à travers l'installation solennelle d'une personnalité chargée de la coordination des actions pour la libération du président Laurent Gbagbo. Depuis la déportation à La Haye du président Laurent Gbagbo le 29 novembre 2011, la Côte d'Ivoire vit dans la tristesse et dans la morosité. Les Ivoiriens, malmenés par la mauvaise gouvernance politique, économique et sociale du pays, écrasés par la pauvreté, l'oppression et les inéquités, ont le regard tourné vers La Haye, scrutent chaque jour l'horizon, dans l'espoir d'apercevoir Sépou, le messager de la liberté et de la dignité, le chevalier de l'espérance. À travers le président Laurent Gbagbo, nous exprimons notre solidarité et notre affection à tous nos compatriotes injustement détenus depuis tant d'années, à travers les prisons du pays et à l'étranger. Je pense particulièrement à Simone Yves Gbagbo, notre deuxième vice-présidente, détenue sans jugement depuis 3 ans au Guinée et à qui la direction du FPI a été empêchée de rendre visite. Le Front populaire ivoirien prend acte de la décision du gouvernement ivoirien de ne pas donner suite au mandat délivré contre elle par la CPI. Mais le Front populaire ivoirien demande au chef de l'État d'aller plus loin, de libérer la Côte d'Ivoire en procédant ici et maintenant à la libération pure et simple de Simone Yves Gbagbo et de tous les prisonniers politiques. Au nom de la justice, des droits de l'homme, de la paix et de la réconciliation nationale. J'ai une pensée toute particulière pour Charles Blé Goudé, notre jeune frère, symbole de la jeunesse africaine digne et espoir de l'Afrique. Tant que la détention injuste du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé n'aura pas trouvé de fin, notre douleur sera sans remède et sans fin. Notre détermination ne faiblira pas et notre mobilisation sera à la dimension de la place qu'ils occupent dans nos cœurs et dans nos consciences. Comment pourrait-il en être autrement lorsque l'actualité politique elle-même nous démontre de façon éclairante et aveuglante que sur l'échiquier politique ivoirien, il y a Laurent Gbagbo et il y a les autres. Il y a le jour et il y a la nuit. Le jour éclaire le monde et fait progresser l'humanité. La nuit règne les princes des ténèbres, de l'obscurantisme et de l'inculture politique, les génies du rattrapage ethnique, de la cannibalisation des institutions de la République et de la vampirisation de l'État. Hassan Ouattara ont décidé de l'imposer à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Le spectacle astringent qu'ils nous ont offert il y a quelques jours à Daoukro nous interpelle en même temps qu'il nous indique le chemin de l'espérance. La lutte. La lutte pour préserver les acquis de la lutte. La lutte pour défendre la démocratie. Ce don précieux de Laurent Gbagbo à la Côte d'Ivoire. Comment, dans ces conditions, ne pas se tourner vers Laurent Gbagbo? C'est le dossier de ce pays pour lequel il a consacré toute sa jeunesse et toute son énergie pour construire une pensée alternative à la pensée unique. Il s'est battu, connaissant la prison et l'exil, les brimades et les privations, pour libérer la société ivoirienne du parti unique,
et pour opérer la première alternance démocratique en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, le dossier de Laurent Gbagbo est aussi le dossier de tous les démocrates d'Afrique et du monde, de tous les damnés de la terre, pour lesquels il est le symbole vivant du courage politique dans le combat démocratique pour la liberté et l'indépendance des peuples. Cette dimension de l'homme est, pour le Front populaire ivoirien et ses militants, la principale source de leur assurance que Laurent Gbagbo doit être libéré et sera libéré. Car on n'emprisonne pas un symbole. Emprisonner un symbole, c'est enfermer tout un pays. C'est faire violence à la conscience de tout un peuple. On ne peut pas aimer la Côte d'Ivoire, vouloir la servir et accepter que Laurent Gbagbo soit en déportation et en prison. On ne peut pas vouloir la démocratie, la souveraineté des peuples en Côte d'Ivoire, en Afrique, et ne pas œuvrer pour la libération de celui qui incarne ses valeurs. C'est pourquoi depuis le 11 avril 2011, date de l'arrestation de Laurent Gbagbo, la vie s'est arrêtée pour beaucoup de ses compatriotes, ainsi que pour de nombreux combattants de la liberté en Afrique et dans le monde. Ils font désormais de la libération de Gbagbo leur propre raison de vivre. Chaque jour, partout où ils se trouvent en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, et jusque sous les portes de la prison de la Haye, ils travaillent à travers des actions de toute nature pour dénoncer l'injustice, pour briser la loi du silence, pour dire à Laurent Gbagbo qu'il n'est pas seul, que les peuples pour lesquels il s'est battu sont à ses côtés. Ce combat s'impose naturellement au Front populaire ivoirien, le parti créé par Laurent Gbagbo. Oui, pour nous, et comme je l'ai indiqué en septembre 2013, la lutte pour la libération de Laurent Gbagbo est un impératif catégorique et un devoir politique. C'est pourquoi elle a besoin d'être organisée, structurée, rationalisée. Le temps est venu de dire comment nous entendons prendre en main et assurer le leadership de cette lutte. C'est le sens de la présente cérémonie. Une cérémonie pour dire que nous n'oublions pas, même si nous pardonnons, que nous ne pouvons pas oublier. Pas par ressentiment, par rancœur, par esprit de vengeance ou de revanche, mais par amour, par loyauté, fidélité et dignité, c'est-à-dire par humanité. Le rassemblement de ce jour et cette mobilisation exceptionnelle témoignent que la Côte d'Ivoire est toujours malade. Nous sommes rassemblés, chers frères et sœurs, chers camarades, autour de ce qui nous unit, notre deuil. Mais nous sommes rassemblés aussi autour de ce qui divise la Côte d'Ivoire, notre deuil. La Côte d'Ivoire n'est pas guérie, car elle n'est pas réconciliée. Une cérémonie d'installation est à la fois l'aboutissement d'un processus et le début d'une mission. Elle marque la fin de toutes les procédures prévues pour pourvoir un poste et le lancement des activités de la personne installée. Dans nos villages, dans les entreprises, voire dans les associations, une cérémonie d'installation signifie que la personne présentée est issue d'un choix qui peut ne pas être celui de tout le monde, mais qui devra désormais s'imposer à tous. Elle vise trois objectifs principaux. Premièrement, mobiliser les membres de la communauté autour d'une valeur, d'un projet ou d'un programme. Deuxièmement, prendre solennellement et collectivement l'engagement de demeurer unis et de conjuguer les efforts pour atteindre les objectifs fixés par la communauté. Troisièmement,
prendre le monde à témoin sur la volonté de respecter nos engagements. Au-delà donc de la personne de notre camarade Amo Ago Marx, c'est tout le parti, tout le Front Populaire Ivoirien qui est aujourd'hui mobilisé et qui prend solennellement l'engagement de coordonner les initiatives et actions pour la libération du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire d'abord prendre toute la mesure du dossier. Laurent Gbagbo est une personnalité politique de dimension mondiale. Il est poursuivi dans une affaire qui implique l'Organisation des Nations Unies et les grandes puissances du monde. La défense de sa cause a largement dépassé le cadre national pour mobiliser à travers le monde toutes les personnes attachées aux idéaux de liberté, de justice et de dignité. Les enjeux de sa libération sont à la hauteur de ce qu'il représente pour nous, ses camarades, mais aussi pour ses adversaires. Au-delà des chefs d'accusation brandis par le procureur de la CPI, sont en jeu des questions cruciales pour l'Afrique et pour le nouvel ordre mondial. La question des souverainetés africaines face au nouvel ordre mondial. La question du droit international, des processus électoraux et de la démocratie en Afrique. La question de la justice internationale et la problématique de la lutte contre l'impunité dans le monde, etc. Nous devons savoir ensuite que nous ne sommes pas les seuls au FPI à vouloir la libération du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est dans tous les cœurs de toutes les femmes et de tous les hommes qui aiment ce pays. Jeunes et vieux, habitants des villes comme des campagnes, riches et pauvres, tous veulent le revoir. Laurent Gbagbo n'appartient pas à la seule Côte d'Ivoire. En Afrique, il reste le symbole de la dignité de tout un continent. Et il compte des amis à travers le monde. Tous, nous voulons le revoir libre et présent parmi nous. Nous sommes pressés et notre impatience est légitime car sa détention est une injustice. Mais précisément parce que nous sommes pressés, nous devons nous donner une méthode. Nous avons aujourd'hui notre volonté et notre détermination. Mais la volonté et la détermination à elles seules ne suffisent pas. Il faut la cohésion. Nous avons nos convictions et le droit avec nous. Mais les convictions seules ne suffisent pas. Il faut la stratégie. Lorsqu'on est nombreux à jouer sur un même terrain, il faut pouvoir connaître les trajectoires possibles de ses partenaires pour éviter de se percuter en poursuivant le même but. Notre but, militants du FPI à l'intérieur comme en exil, en Afrique comme en Europe ou en Amérique, notre but, c'est la libération du président Laurent Gbagbo. La voie qui nous est opposée est tout aussi connue, c'est la voie de la justice. Mais la CPI nous montre elle-même, en confirmant des charges non confirmées, que le dossier Laurent Gbagbo est avant tout un dossier politique. Mais ce n'est pas parce qu'il est politique qu'il ne faut pas l'aborder avec méthode. La politique, a dit le président Laurent Gbagbo, est un métier. Le FPI a du métier. Faisons-en la preuve pour libérer le père fondateur de notre parti par la voie des moyens politiques. Voilà pourquoi nous avons créé cette vice-présidence chargée de la coordination des actions pour la libération du président Laurent Gbagbo. Elle traduit et consolide une volonté politique, celle de faire de la libération du président Laurent Gbagbo une priorité absolue du parti. Elle marque notre détermination à ne pas baisser les bras face à l'adversité et à la surdité judiciaire qui nous sont opposées. Voilà pourquoi, dans les prochaines semaines, nous comptons poursuivre notre action en organisant un colloque international pour évaluer toutes les actions qui ont été menées jusqu'à ce jour à tous les niveaux, diplomatiques, politiques, juridiques, de mobilisation et de communication,
afin de dégager une stratégie consensuelle de lutte et d'établir une feuille de route pour la libération du président Laurent Gbagbo. Le FPI veut le concours de tout le monde, la contribution de toutes les bonnes volontés à l'intérieur comme à l'extérieur du parti, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Cette vice-présidence a pour mission de coordonner les initiatives et les actions pour rendre notre contribution lisible et efficace. Camarades militants, camarades militantes, honorables invités, mesdames et messieurs, tel est le sens de cette cérémonie. Tels sont les objectifs de la vice-présidente chargée de la coordination des actions pour la libération du président Laurent Gbagbo. À présent, je me tourne vers toi, camarade Agomat. Il n'est point besoin d'insister sur l'importance et les enjeux de ta mission. À partir d'aujourd'hui, tu seras la figure de proue de notre lutte pour la libération du président Laurent Gbagbo. Selon la légende, la figure de proue est placée en avant du bateau pour guider le capitaine et l'équipage face à certaines épreuves. C'est un poste de veille et d'orientation stratégique. Coordonner, c'est recevoir et écouter les uns et les autres. Accueillir, harmoniser, soutenir et impulser différentes initiatives et proposer au président du parti et aux militants les actions pertinentes devant concourir à la réalisation de la mission. Mais coordonner, c'est aussi pouvoir dire non à certaines initiatives si elles devraient contrarier notre objectif. Coordonner, c'est rassembler, c'est motiver, c'est amplifier. Tu as évoqué la métaphore du sel. Je pourrais poursuivre en disant donc que coordonner, c'est cuisiner. Or, comme vous le savez bien, cuisiner, c'est faire référence à la femme. Ce n'est donc pas un hasard si c'est encore une femme qui est promue pendant cette année 2014 par le Front Populaire Ivoirien. Parce que le Front Populaire Ivoirien, c'est d'abord le parti des femmes. Coordonner exige ouverture d'esprit et hauteur de vue. Sens la conciliation et du compromis entre gens et diplomatie, mais aussi rigueur, fermeté, patience et persévérance. Cher camarade Agomat, nous savons que tu as les qualités humaines, la personnalité, les compétences intellectuelles, les convictions et l'expérience politique nécessaires pour réussir cette mission. C'est pourquoi tu as été choisi. Juriste, tu seras un pont entre le parti et la défense du président Laurent Gbagbo. Députée, ancienne première vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, tu sauras parler aux uns et aux autres, à l'intérieur comme à l'extérieur du parti, à l'intérieur et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, pour convaincre et pour gagner. C'est en toute confiance que je t'ai remis tout à l'heure, au nom du parti, ta lettre de mission. Que Dieu Tout-Puissant te donne la force, la sagesse et le discernement nécessaires à la réussite de ta mission, de notre mission. Qu'il veille sur le président Laurent Gbagbo et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Je vous remercie. Des applaudissements pour le président du parti pour cette brillante intervention.